alcanza, tome forma. Sabrás de qué estoy hecho y llorarás una vez que mi venganza tome forma. Te lo juro que te arrepentirás. Desalmada tengo el alma por todo lo que la vida me quitó. Una bala dio en el blanco y las ganas de vivir me arrebató. Ya no te pertenezco y ese es tu castigo. No despertar ni una noche más conmigo. Lo hecho, hecho está, de nada me arrepiento. Jamás pensé gozar de tu persona el sufrimiento. Sufre como yo sufrí, sufre. Llora como yo lloré. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour que mes heures d'intérêt général soient supprimées? Eh bien, écoute, la seule chose que je puisse faire, c'est demander à Antonio de te laisser faire tes heures à la mairie. Eh bien, s'il n'y a pas d'autre choix. Tiens, c'est ta compensation pour m'avoir été loyal. Allez, ne fais pas cette tête, je vais parler à Antonio pour voir ce qu'on peut faire pour toi. Va le chercher. Allez, sors. Souris au moins, allez. Merci. Allez, va. C'est pas possible. Antonio, je viens d'envoyer Edgar te chercher. Écoute attentivement ce que tu vas faire. Non, non, tu as mal compris, papa. Je jure que j'attends un enfant. Non, monsieur Gaillard, calmez-vous. J'ai très bien compris ce que tu as dit, Rigoberto. Monsieur Gaillardo, ce que je... Tais-toi! Il faut que je parle à ma fille seule à seule. Tu t'expliqueras plus tard. Compris? Pourquoi tu as pris part à ce mensonge? Va-t'en! Va-t'en! J'en ai assez de tes histoires, Isabella. Et cette fois, crois-moi, je ne vais pas me taire. Papa, ne dis rien, s'il te plaît. Surtout pas maintenant, alors que Raphaël va acheter une maison pour son enfant. Tu fais tout ça seulement par intérêt? Papa, cette maison sera aussi la tienne si tu m'aides. Tu ne te rends pas compte que tu es en train de gâcher ma réputation? Et tu gâches le mariage de Raphaël avec tes tromperies? C'est tout ce qu'il mérite pour m'avoir planté devant l'hôtel. Je ne te laisserai pas tomber plus bas. Ou tu le dis aujourd'hui à Raphaël, ou je le fais moi-même. Qu'est-ce que tu as à me dire, Isa? Ça ressemble plus à une insulte. Je ne suis pas né pour balayer. Dans ce cas, tu vas en prison. C'est aussi simple que ça. Je vous en prie, ne me faites pas ça. Que va penser ma mère? Mon père va se moquer de moi. Tu sais quoi, je me fiche de tes histoires de famille. La loi, c'est la loi. Bien que... il existe un moyen de réduire la durée de ta sanction. Enfin, si tu y mets du tien. Oui, bien sûr, je ferai ce qu'il faut, monsieur Estudio. Pardon, monsieur le maire. Octavio m'a dit que malgré tout ça, tu continueras à travailler à l'usine. Oui, c'est vrai. La vérité, c'est que je ne suis pas responsable de ce qui s'est passé. Oui, je sais. Bon, maintenant, tais-toi et écoute attentivement ce que tu vas faire. Tu ne vas pas me répondre? Non, honnêtement, c'est rien, Rafa. Je pense que vous devez avoir une discussion sérieuse. Et pas plus tard que maintenant. Alors, pourquoi tant de mystère? Non, c'est rien, c'est rien, tu connais mon père, il exagère toujours. Pourquoi tu pleures? Eh bien, tu sais que ma situation est compliquée, Raphaël, et avec les hormones en plus, je suis très sensible. Non, je crois qu'il y a autre chose, Isa. Attends, à ton avis, c'est pas déjà assez que je sois la personne qui a été quittée devant l'hôtel, mais qu'en plus de ça, je devienne mère célibataire? Doucement, je comprends tout ça. Mais si tu es affectée par ce que disent les gens du village, tu peux aller à la capitale quand tu veux et tu le sais bien. Ah, tu veux que je parte loin de toi? Oh, calme-toi, s'il te plaît, j'ai pas dit ça, mais écoute, je dis ça pour toi. Je te promets que nous chercherons ce qu'il y a de mieux pour nous trois, d'accord? C'est facile à dire quand t'es accompagné de la personne que tu aimes et que t'as pas à faire face au jugement des gens.
Alors que moi, je suis juste... Je suis une nuisance dans ta vie. Tu crois pas que c'est une raison suffisante pour me mettre dans cet état? Je te promets que je ferai ce qu'il faut pour que tu te sentes mieux. Et que tu te sentes protégée, ok? D'accord. Mais tu dois aussi comprendre que ça met mon mariage en danger. Hein? Ça me touche aussi, Isabella, tu comprends? Oui, entrez. Tu as besoin de quelque chose? Tu te sens bien? Je voulais juste te dire que Louis et moi allons partir d'ici le plus vite possible. Il me l'a déjà dit. Louis avait raison, Myriam. Tu es une femme très respectable. Il a toujours cru que tu ne reviendrais pas et c'est pour ça que je suis venue vivre ici avec lui. Tu n'as pas à justifier ta relation avec Louis auprès de moi. C'est lui que tu vas épouser. Pas moi, ni mon fils. Mais c'est important pour moi que tu saches que je n'ai jamais eu l'intention de me mettre entre vous. Et j'espère que tu feras la même chose avec moi. En 3 ans de divorce, je ne lui ai jamais couru après. Ne t'en fais pas pour ça. Et si je peux te donner un conseil de jeune mariée, essaie d'avoir un peu plus d'amour propre. La dernière chose que je veux, c'est t'embêter, toi ou Fernanda. Arrête, tu me déranges pas du tout, surtout si ça a un rapport avec mon enfant. C'est ça, non? Mm-hmm. Hmm? Qu'est-ce qui se passe? Hein? C'est juste que tu dis toujours mon enfant et jamais notre enfant, Rafa, mais c'est rien, je vais m'habituer. On va visiter des maisons comme convenu. Oui, 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 si tu veux, nous pouvons regarder sur Internet et faire quelques devis, ça te va? Ok, une amie de ma mère gère une agence immobilière, je vais lui demander de nous aider. Si tu veux, je peux les visiter avec ma mère et quand j'en aurai sélectionné 2 ou 3, on pourra les visiter ensemble. Non, je préfère t'accompagner, comme ça on les visite toutes. Tu es d'accord? Ok. Oui? Finalement, ce sera la maison de notre enfant. Non? Je profite du fait que ta petite femme soit partie faire les courses. Pour venir féliciter comme il se doit celui qui sera bientôt... Monsieur le maire. Non. Non, madame, pas pour l'instant. J'attends d'abord que tu demandes pardon. Tu as raison. Est-ce que tu me pardonnes? C'était idiot de ma part de penser que tu pouvais ressentir des désirs envers ta belle-fille. La vérité, c'est que j'étais très jalouse et j'avais pas les idées claires. Et puis, tu ne prendrais jamais le risque de perdre ton enfant. Ou pire, qu'il essaie de te tuer en défendant ce qui lui appartient. Mais avant tout, tu n'as pas besoin de regarder quelqu'un d'autre, car tu as moi. Pour assouvir tout. Allez, mettez-vous au travail. Qu'est-ce qu'il y a? Ils se disent travailleurs, mais ils ne lèvent même pas le petit doigt. Ah bon? Je t'assure, mais ne t'inquiète pas. Avec les caméras de surveillance, je vais les avoir à l'œil. Des caméras? Et elles sont où? Le chef de la sécurité peut te montrer où elles sont. Et te parler des mesures de sécurité. Écoute, parle-lui si tu veux apprendre. Tu veux apprendre, hein? Ouais, j'irai lui demander. C'est... Enfin, tu sais bien, il faut que je sache tout faire. Dis-moi, fiston, je voulais savoir. Alors, tu as déjà acheté des bêtes pour ton ranch ou pas encore? Non, pas encore, mais je veux qu'ils soient de bonne qualité. Alors, je vérifie tout. Tu veux que je demande au patron de te vendre une ou deux de ces bêtes? Oh, doucement. Ouais, ce serait bien, c'est vrai. Tu peux faire ça? Si tu veux. Merci beaucoup, papa. Ouais, je veux bien. D'accord. Oh, Lucrécia. Regarde-la. Elle va te donner un coup de pied. Je sais. Je la connais bien, t'inquiète. Regarde-la. Bonjour, Brenda. J'ai pas pu vous le donner en main propre, mais je viens de vous envoyer la promotion pour Méga Super. Elle est plutôt intéressante.
Faites-moi savoir si vous avez des questions, d'accord? Papa, bien. Je t'en prie, ne dis rien à Rafa, je ne te demande rien de plus. Et moi, ce que je te demande, c'est d'arrêter tous ces mensonges. Papa! Quoi? Tout va bien? Oui. Je vois que ma fille ne t'a rien dit. Isabella? Rafa, en plus de ce que je t'ai dit, je dois dire que je me sens pas très bien. Quoi? Pourquoi tu ne me l'as pas dit avant? Je vais t'emmener chez le médecin. Non. Oui, c'est une bonne idée. Le seul médecin qui fait des échographies à Ishamal est parti dans un ranch et il reviendra dans 3 jours. C'est pas grave, je t'emmène à Santa Ana. Non, vraiment, je te jure, c'est pas grave. Je préfère voir mon médecin, écoute, c'est mieux. Je ne veux pas que tu sois malade, Isa. Alors on y va. Raphaël a raison, allez-y. Et mettez enfin les choses au clair. Bonjour, madame. Bonjour. Désolée de vous déranger, je suis juste venue voir Fernanda. Pas de problème, je suis contente de vous voir. Rigoberto m'a raconté ce qui s'était passé avec Théo. Il sera sanctionné, il n'a pas le droit de vous prendre non, de non, non, madame, ce n'est vraiment pas nécessaire. C'était un malentendu et c'est réglé. C'est plutôt moi qui dois m'excuser de m'être battue dans votre maison. Oui, mais 3 contre 1, ce n'est pas juste. C'est vrai, mais eux non plus ne sont pas partis indemnes. Je sais aussi jouer des points quand il le faut. Oui, j'ai cru comprendre ça. Et quelle était la cause de cette bagarre? Rigo ne vous l'a pas dit? Non, il m'a seulement dit que c'était une affaire d'homme. C'est exactement ça. Oh, vous et vos mystères et votre code d'honneur. Marie, accompagnez Pierrot. Je vais prévenir Fernanda qu'il est venu la voir. Non, j'y vais si vous voulez. Marie, non. Je vais y aller. Je pense que vous avez besoin de discuter tous les deux. Marie, si tu sors avec Gabriel juste pour me rendre jaloux, ça ne vaut pas la peine de jouer avec lui. Et qui te dit que c'est mon intention? Ah oui, il t'intéresse vraiment? Et nous, alors? Il n'y a jamais eu de nous. Hein? En plus, Gabriel sait ce qu'il veut dans la vie et il n'aura pas à réfléchir à 2 fois avant de m'épouser. Tu vois, c'est pour ça que je ne peux pas t'épouser, Marie. Tu n'es pas encore indépendante, que tu veux déjà parler de mariage. Je suis peut-être pas indépendante, mais je sais prendre des décisions, alors restons-en là. Après tout, toi et moi, on n'est rien. Nous n'avons jamais rien été l'un pour l'autre. Maman, s'il te plaît, réponds, réponds! Tu veux que Julia te dise comment tromper le médecin? Je te déteste, papa, pourquoi? Pourquoi t'as fait ça? Parce que c'est la seule façon de te faire réagir et de mettre enfin un terme à tout ça! Tout ça, c'est ta faute, figure-toi, parce que si tu nous avais pas ruinés, j'aurais pas à faire ça! Bien sûr, il manquait plus que tu me frappes! T'es le pire père du monde! Je te le pardonnerai jamais! Pense ce que tu veux de moi, mais je ne te laisserai pas tomber aussi bas. Alors épargne-moi cette humiliation chez le médecin et dis toute la vérité à Raphaël. Pierrot, pourquoi tu ne viendrais pas me rendre visite plus souvent? Comme ça, tu aurais une excuse pour voir Marie. Marie ne veut plus rien avoir à faire avec moi. Et comme elle sort avec Gabriel et qu'ils sont si pressés de se marier, je pense qu'ils ne vont pas tarder à le faire. J'espère que non. Mais bon, qui suis-je pour donner des conseils, surtout maintenant? Oui, je sais. Toi et ma mère avaient le même problème et on ne dirait pas, mais elle a du mal à accepter que Rosalina soit enceinte. Et en plus, Louis va l'épouser. Ma mère sait parfaitement que lorsque le bébé naîtra, la relation qu'elle a avec mon père ne sera plus la même. Oh non, non, pardonne-moi, pardonne-moi, je n'aurais pas dû dire ça. Non, ça va, t'inquiète pas. Si, parce que tu seras dans la même situation. Oui, c'est vrai. Quand j'ai appris pour l'enfant de Raphaël, je me suis aussi sentie désavantagée et jalouse d'Isabella. Mais... Fernanda, tu peux très bien avoir un enfant avec Rafa. Oh, Pierrot, ce n'est pas une course. Et puis, avant d'avoir des enfants, j'ai besoin de régler certains problèmes. Bonjour. Entre. Pierrot m'a dit que tu me cherchais. Qu'est-ce que tu as à me dire? Non, c'est juste que M. Gallardo m'a clairement dit qu'Isabella ne m'aimait pas. J'espère que tu le crois. Non, je pense qu'il y a un malentendu, parce qu'Isabella m'aime vraiment.
Rigaud, Isa t'utilise seulement pour que son mensonge à propos de la grossesse fonctionne. Non, s'il te plaît, peut-être qu'elle n'aime pas Raphaël, ok. Mais c'est sûr qu'elle aime son argent. Non, loin de là, Angela. Toi aussi, tu te trompes. Isa m'a dit qu'on allait se marier et qu'on allait partir en Europe. Ça suffit, Rigaud, arrête. Ne sois pas naïf, d'accord? Pardonne-moi, mais ça me met tellement en colère que tu ne vois pas les choses en face. Qu'est-ce que t'as, Angela? S'il te plaît, accepte la réalité. Isabella se sert de toi depuis le début. Elle ne t'aime pas et tu es tellement aveugle que tu ne réalises même pas qui t'aime vraiment. Qui? Toi? Parce que Monsieur Gaillardot m'a dit... Oui, moi. Moi. J'ai quitté Ishamal pour essayer de fuir mes sentiments, mais c'est inutile, Rigoberto. Je t'aime comme tu es et avec ce que tu as. Réalisé quand je t'ai embrassé la dernière fois. Je t'aime, Rigo. Je vais tout faire pour aimer et prendre soin de mon demi-frère ou de ma demi-sœur. Et je te souhaite la même chose avec l'enfant de Rafa. Prends soin de toi. Toi aussi. Désolée, mais j'ai entendu votre conversation et sachez qu'avec moi, pas besoin de faire semblant. Faire semblant? À propos de quoi? Je sais que vous êtes jalouse et envieuse car c'est Isabella qui va donner à Raphaël son premier enfant et premier héritier. Quoi? Comment? Julia, vous pensez vraiment que ça m'intéresse? Non, non, mais attendez, quand j'aurai un enfant, je ne vais pas me soucier de savoir s'il est le premier-né ou non. Et encore moins de savoir s'il aura un héritage. Je préfère qu'il apprenne à travailler, à se débrouiller tout seul, plutôt qu'être un profiteur et un bon à rien comme certains. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais il est évident que ça vous fait mal que votre mari s'occupe de ma fille, et il le fera pour toujours, car un enfant, c'est un lien éternel. Mmh. Et ce n'est pas étonnant qu'ils s'entendent si bien, car ils ont fait tellement de projets quand ils allaient se marier qu'aujourd'hui, ils pourraient presque tous les réaliser. Tu verras que le destin peut être changé, même en ta présence. Aujourd'hui, au moins, leur désir d'avoir un enfant se réalise. Parce que votre fille s'est offerte à lui. Pardon? Vous m'avez très bien entendu. Vous savez que Raphaël va acheter une maison à Isa, n'est-ce pas? Bien sûr. J'en ai discuté avec lui. Et c'est évident que mon mari doit s'occuper de ce bébé. C'est même moi qui lui ai suggéré de sélectionner plusieurs maisons pour que lui et moi allions les visiter. Ah bon? Oui, parce que je serai la belle-mère de ce bébé. Et je vais participer à tout ce qu'il concerne jusqu'à sa façon de s'habiller parce que ce que vous avez acheté est plutôt ringard. J'espère que ça ne dérange pas Isabella, parce que je vois à votre visage que ça vous dérange. Très chère future première dame, puis-je vous rappeler que nous dînons avec mon plus farouche adversaire? Non, non, s'il te plaît, ne m'oblige pas à partager la table avec ta mère, s'il te plaît. Ah, mon amour, je suis sûr que devant les autres, elle se comportera bien. Pour elle, la vie des gens est primordiale. Oui, c'est vrai. L'image de famille est très importante pendant une campagne, d'accord? Les gens doivent voir que tu t'entends bien avec tes futurs beaux-parents et tout ça. Oui, mais c'est elle qui ne peut pas me supporter. Mais ne lui prête pas attention. Tu sais à quel point elle peut se faire des idées. Bien. Écoute, ce qui serait mauvais, c'est qu'elle ait une bonne raison de ne pas t'aimer ou de te mépriser, parce que nous ne pouvons pas risquer un scandale pendant la campagne. Hmm? Alors, je vous demande d'être sincère. Est-ce que vous avez besoin de me dire quelque chose? Parce que c'est le moment. Pourquoi tu fais cette tête? Tu sais que je t'aime beaucoup, mais je ne te vois que comme une amie. Tu n'as pas à te sentir mal, c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, je t'assure. Je te ferai pas de reproches ni de demandes, car c'est comme ça quand on aime sincèrement. On donne sans rien attendre en retour. Je t'aime et pour moi c'était magnifique. J'espère qu'un jour tu le verras de cette façon. La vérité c'est que oui... Il y a quelque chose de mon passé qui peut beaucoup affecter la carrière de David et je pense qu'il est préférable que je me retire. D'accord, alors,
Quelle est cette histoire qui pourrait compromettre la campagne? C'est que il faut... C'est le fait que Clara est orpheline. Mais il n'y a rien de mal à ça. Au contraire, c'est une fierté que... même sans le soutien de tes parents, tu sois devenue une femme extraordinaire, mon amour. Et c'est pas tout. Elle a été élevée dans un couvent par des femmes très charitables. Eh bien ça, ça nous donne un avantage. S'il y a bien une personne qui sait comment le monde doit se montrer solidaire envers les personnes défavorisées, c'est toi, Clara. Oui, mais à non, non, ça, c'est ce discours que tu dois tenir quand tu t'adresses aux femmes. Moi ? Je vais devoir parler devant des gens ? Mais bien sûr que oui. Écoute, tout le soutien que tu peux apporter à David est important. Tous les deux ensemble, avec vos valeurs, vous captiverez les électeurs et puis... Regarde, vous êtes un très beau couple. Eres casi perfecta. Si me dijeras que sabes volar, yo sé me lo quería. Madame, vous devez tout d'abord vous calmer, sinon nous ne pourrons pas faire l'examen correctement. Quelque chose ne va pas? Non. Non, non, docteur, est-ce que c'est... Tout ça, c'est nouveau pour moi, vous comprenez, c'est mon premier enfant, vous voyez, mais je vais bien, je vais bien. Docteur, si on ne peut pas faire l'examen, c'est pas grave, on pourra venir une autre fois. Isabella, on dirait une petite fille. Assieds-toi. Elle s'est sentie mal. Je suis inquiet pour elle et le bébé. Entrez et changez-vous, je vous verrai sur la table d'auscultation. Oui. À tout de suite. Je t'en prie. Si tu ne peux pas voir tout ce que nous avons à gagner avec ce soi-disant bébé, ce n'est pas de ma faute. Tu ferais mieux de faire tes valises, parce que Raphaël a emmené Isabella à l'hôpital. Quoi? Mais comment tu as pu? Pourquoi tu ne l'as pas aidé, espèce d'abruti? Il va nous démasquer. C'est précisément ce que je veux, que Raphaël découvre tout. Je suis désolé, mais c'est le seul moyen pour vous d'arrêter toute cette folie. Crétin. N'essaie pas d'appeler Isabella. J'ai gardé son portable. C'est fini, Julia. Je ne vais pas attendre qu'elle finisse morte ou en prison. Tout ça à cause de ton avidité. Ferme-la, pauvre type. T'es dans ma compte, espèce d'idiot. À cause de toi, nous allons encore tout perdre. Mais attends un peu qu'Octavio la prenne. Il ne doit pas le savoir. Tu ne sais pas de quoi il est capable. Je me fiche qu'il me licencie si ça signifie garder ma dignité. Je ne le veux pas pour Isabella. Mais il n'y a pas d'autre moyen de lui faire comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Pour rien, Letty. Pour ça? Il est juste ici. Il est tout petit, mais vous pouvez l'apercevoir. Docteur, c'est mon bébé? Regardez-le, il est juste ici. Mmh.